Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est un massin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Kiki, passez par là. Kiki, Kiki, curieux, curieux, curieux. Qu'est-ce que tu fais? C'est un massin. Qu'est-ce que J'expérimente une petite activité. Avec ta main? T'es rigolo, t'es rigolo. Moi, j'ai deux mains. T'as vu? T'es rigolo. Pourquoi ta main? Pourquoi ta main? Eh bien, la main est quelque chose de très important pour les artistes. Elle ne sert pas juste à tenir un outil, elle permet de s'exprimer. Regarde les premières traces artistiques retrouvées. Ce sont des empreintes de main. La main sert également à souligner un sentiment dans une image. Les gestes des personnages passent principalement par l'attitude et notamment les mains. Dans la création d'Adam de Michel-Ange, que regarde-t-on? On voit Adam, il est tout nu, et qui l'a vu, qui l'a vu, t'as vu, t'as vu? Oui, bon, t'es pas tellement plus habillé non plus, hein. Hein, hein? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Qui sait pas? Qui sait pas? Bref, le détail qui attire l'œil, c'est bien cette tension qui existe entre l'espace des mains de Michel-Ange et de Dieu. Cette tension où les deux doigts vont se rencontrer sans jamais se toucher. Oui, mais c'est des mains, elles servent juste de mains. Pour certains artistes, une main peut devenir autre chose. Rodin, par exemple, a réalisé cette sculpture intitulée Cathédrale. Les deux mains qui se font face, deux mains de personnes différentes, semblent faire référence à l'architecture de monuments gothiques. Les doigts sont dressés en forme de toit et les interstices entre les phalanges deviennent des espaces lumineux, comme les vitraux de la cathédrale. Oui. Mais c'est des mains, une cathédrale. Oh oui, mais on voit des mains. Oui, une cathédrale. Qui sait plus, qui sait plus. Certes, ce sont des mains, mais libre au spectateur de voir plus loin que la simple main. Et il existe même des œuvres où on voit deux images en même temps. Oh oui, oh oui, oh oui. Qui sait, qui sait. Les illusions, les illusions, les illusions. Qui sait. Les illusions d'optique. En effet, les artistes s'amusent parfois avec notre perception. C'est le cas notamment avec Archimboldo. Ces portraits présentant des personnages constitués de fruits, de légumes ou d'objets sont les plus célèbres. Mais dans le cas du serveur, on est sur quelque chose de très subtil. En effet, on peut y voir un personnage, un tavernier ou simplement un tas d'objets posés les uns sur les autres. Deux images, deux interprétations cohabitent dans un même tableau. Oh oui. Qui voit? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Des mains, de toute façon, des mains, c'est des mains, c'est des mains, c'est des mains. Et si une main pouvait finalement se transformer en quelque chose d'autre? Kiki moi pas, kiki moi pas, kiki moi pas. Eh bien, à partir du contour de ta main, métamorphose sa forme pour qu'elle devienne autre chose. Tu peux utiliser le dessin, le collage, le coloriage, le découpage, etc. Mais attention, on doit être capable de voir qu'il s'agissait d'une main au départ. Donc faut dessiner sa main, sa main, sa main, sa main. Mais faut pas dessiner, faut dessiner sa main. Kiki, c'est pas, c'est ça, hein, c'est ça, c'est ça. Oui, globalement c'est ça, mais il va falloir transformer la forme de sa main, donc ajouter des éléments par exemple, ou en modifier d'autres. Et surtout, une main n'est pas quelque chose de statique, on peut transformer sa main simplement en bougeant les doigts. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez faire. Mais c'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Kiki va faire, Kiki va faire, Kiki va faire. Kiki est artiste, Kiki est artiste. Oh, c'est rigolo les mains, les mains, les mains. Oui, c'est rigolo, c'est rigolo. Et Kiki sait faire ça, Kiki, Kiki fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. À bientôt les curieux.